Cette année, c'est l'année du lapin, comme on voyait tout à l'heure. On a parlé du proverbe sur le ventre du petit lapin rouge, là. Oui, exactement. Comme cette année, c'est l'année du lapin et en chinois, on a beaucoup de proverbes concernant le lapin. Et comme le lapin dans le zodiaque chinois, c'est toujours un bon signe. Et du coup, par exemple, on a le proverbe comme Jin ruo chu zi, dong ruo tuo tu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quartier comme une vierge, mais rapide comme un lapin qui s'échappe. C'est-à-dire, les lapins sont toujours intelligents face au moindre danger. Et ils se distinguent par sa capacité à disparaître comme l'éclair. Et ainsi, on a d'autres proverbes pour parler de la capacité de lapin, par exemple. Un lapin rusé à trois terriers, c'est-à-dire le lapin sont intelligents, ils savent se protéger. Et ce proverbe est aussi décrit, ce proverbe décrit les gens qui sont assez intelligents et qui ont toujours plusieurs plans. Mais je crois que la symbolique du lapin est très importante cette année, hein. On rentre dans l'année du lapin, effectivement, on m'en a beaucoup parlé, mes amis chinois. Ça va être une année charnière. Et puis, donc, les qualités intrinsèques du lapin, la prudence, mais aussi la vivacité, la capacité, comme vous le disiez, à s'enfuir, mais aussi à sauter sur les opportunités. Et au cas là, sur place, le compte rebours pour la nouvelle année du lapin va bientôt commencer. L'année du tigre est passée et l'année du lapin est arrivée. Nous Donc y pour entrons. tous les Chinois, c'est le moment d'accueillir de nouveaux espoirs et d'ouvrir de nouveaux horizons. Et donc ensemble, faisons le compte à rebours pour accueillir une meilleure année. Attention. Et déjà, 10, 9, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Alors, quels tout le sont monde. les vœux que vous voulez passer à vos êtres chers? Sérénité, calme, épanouissement à tous, sans douleur. Les astronautes veulent passer à toute la population. Voilà. Oui. Donc ils ont envoyé les vœux depuis la station spatiale chinoise. Donc, voilà. La bonne santé dans la nouvelle année. Une belle carrière pour le futur. Et eux, ils ont beaucoup de chance, hein, quand même d'avoir un...